ça veut dire que c'est l'appel de c'est l'appel citoyen. Donc quand on vous appelle dans ces circonstances, vous devez être présent. Vous devez être présent. Moi, je suis resté un peu sur ma faim parce que j'ai entendu le secrétaire général, j'ai entendu les différents secrétaires généraux. Ce sont des jeunes qui appellent à la rupture. Je ne sais pas comment vous pouvez appeler à la rupture dans un pays et qui est gouverné par l'un des plus anciens, politiquement parlant, depuis le temps de Moussa Traoré. C'est qui alors? Si vous voulez la rupture, mais demandez la démission de Choguel Maïga. Choguel ne peut pas incarner la rupture, Choguel ne peut pas incarner la continuité. Choguel Maïga, aujourd'hui, tout le monde sait très bien qu'il ne peut pas régler le problème du Mali. Moi, je le dis, je l'assume. Et d'ailleurs, je profite pour faire appel à la jeunesse, à l'ACT, à bien d'autres, qui savent très bien qu'ils ont la conscience de sauver ce pays, qu'ils ont la conscience de sauver le Mali, qu'il faut dès maintenant commencer à demander la démission de Choguel Maïga. Pourquoi? Je ne parle pas de la démission du gouvernement. Vous gardez le gouvernement, mais Choguel, sa personne ne peut rien faire. Vous savez, il continue dans ses visites touristiques-là. Il n'y a pas longtemps, on a renvoyé un Premier ministre soi-disant qu'il est mou. Mais maintenant, nous avons un Premier ministre qui gambade partout comme un enfant qui a ramassé un jouet dans la rue. Mais le Mali, ce n'est pas un jouet. Le Mali, ce n'est pas une poupée que tu ramasses, que tu dois aller présenter à tout le monde. Il continue ses visites-là. Non seulement il visite les criminels, mais il confond tout et n'importe quoi. Donc Choguel n'a pas la solution pour l'école malienne. Choguel n'a pas la solution pour l'article 39. Choguel n'a pas la solution pour la santé. Il n'a pas la solution pour une élection crédible. Si Choguel pouvait faire une élection crédible, il l'aurait fait déjà. Il a été déjà porte-parole d'un gouvernement. On a vu ce qui s'est passé. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si on est là, il faut qu'on s'assume, qu'on se dise la vérité, qu'à un moment, chaque Malien et chaque Malienne doit dire ce qu'il pense vraiment. Et ce qui est la réalité aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas faire la rupture avec un monsieur comme Choguel Kogala Maïga. Il faut, et son couple avec Assimi Goïta, faut amener le Mali dans le chaos total. Ah bon? Parce qu'il a été avec Ibeka, vous avez vu comment Ibeka a fini. Donc moi je vous dis une chose, c'est que Choguel Maïga, il faut qu'il dégage. Et il va dégager, je vous assure. Parce qu'on est en train de se concerter. J'ai été contacté par beaucoup d'autres organes. Nous sommes en train de nous préparer. Nous allons appeler le peuple à un assaut patriotique pour dire que le peuple ne veut pas Choguel Maïga. Le gouvernement peut rester. Mais Choguel, aujourd'hui, on sait, il n'a pas de plan, il n'a pas de programme, il n'a aucune solution. Il est en train de chercher. Nous avons 9 mois ou quelques mois pour aller à l'élection et Choguel est en train de chercher la solution. Donc moi, je vous dis, ACRT et bien d'autres partis politiques qui m'ont contacté, des associations, la société civile, on continue la concertation, on continue les discussions pour rapidement appeler tous ceux qui aiment le Mali à faire cette rupture. La rupture, ce n'est pas le conflit générationnel, c'est la rupture avec une mentalité, la rupture avec une façon de faire, c'est la rupture avec un système. Et ce système est incarné par Choguel Maïga, quel que soit. Vous savez, un âne, c'est un âne. Même s'il court dans un champ hippique, il restera toujours un âne. Choguel tɛ se ka Mali ekɔli ko ɲɛnabɔ. Ale filɛ ka min kɛ article 39 ko la sɔrɔ a y'o ye. Mankan wɛrɛ tɛna wuli. A tɛna se ka Mali ekɔli ko ɲɛnabɔ. Olu mɛ t'u ka solution ta bolo. SNUSUP n'o ekɔli sanfɛ ekɔli karamɔgɔ olu bɛna gɛrɛ ko kɛ. Dɔgɔtɔrɔw bɛ k'u labɛn k'u bɛ bɔ. Sɛnɛkɛlaw ko ko ni samiya ji banna dɔrɔn k'u fana bɛ mankan kɛ. Ne yɛrɛ bɛ olu terikɛ ni ne yɛrɛ bɛ yala la fan bɛɛ. Bɛɛ b'a dɔn ko Choguel tɛ se ka élection transparente kɛ Mali la. Parce que a bɛ système min kɔnɔ. Au système est qu'à élection et qu'à glan glan dron kata du doma au labe dron kata ka doma voilà ça lui rega toi kono nous ma toi kono vous ka mado blé voilà ça va continuer ka tout avec foro baramina certi et clément ga foro va la dit so vous ne fera corona oui avec chogal boy foro ambe franonga silibet mala ga sili ni ma te mbenya na silibet te ambe bo on va sortir la première chose le premier acte à poser que moi je vais faire avec vous ne rebe foro ka Annie Politi, parti, tu m'as contacté, je suis civil, tu m'as contacté.
Bon, écoute, Choguel fait. Donc, Choguel, tu vas te à tisser. Choguel tisser. À tisser quand on m'a dit fou, il y en a beau. N'a pas mis 16 ans sur la sera. N'a pas mis 16 ans sur la glade. À quel moment on gagne. À quel moment on a tienne. À quel moment on a capote pour la vie à la bantouille. Ni. Mais Adouna, il y a. Écoute-moi. Adouna, il y a. Adouna et M. Unko, là, il m'a M. Unko, il y a la bantouille. Même Mifi. Choguel veut voir le premier ministre là, qu'il le veut ou pas, il partira de la primature, il va démissionner. C'est bon, c'est bon.